Hey, comment ça va? Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai réceptionné mon colis que j'ai commandé. Alors ça a été une galère, je devais le recevoir le samedi j'ai pas pu. Donc j'ai reçu, donc du coup on est lundi. Pour vous c'est dimanche, mais nous on est lundi de la semaine que vous allez voir la vidéo. Seul l'autre elle est décalée à dimanche prochain. Donc du coup je vais d'abord vous faire voir les articles et après vous les verrez sur moi. Mais d'abord je vais vous les faire voir. Donc on va commencer par cet article là qui est, attendez, hop, qui est une jupe. Alors la jupe elle est courte devant et elle est longue derrière. De toute façon vous la verrez après portée sur moi ce que ça donne. Donc voilà, il y a déjà cette petite jupe. Ensuite il y a, attendez, ça on l'avait vu sur le site avec ma maman. Et maman m'a dit tu vas être trop belle dedans ma fille. Donc c'est une robe, voilà, comme ça, elle est pas trop longue mais pas trop courte non plus. Et derrière vous l'attachez là et ça fait un peu comme un donut, voilà. Et donc maman a dit tu vas être trop belle ma fille dans cette robe. C'est clair. Ensuite, alors ça, elle savait pas maman que j'avais pris ça en plus. Au bout d'un moment, maman elle a dit oh, je te laisse faire la commande là, ça met trop de temps. Donc elle savait pas. Et j'ai pris un débardeur. Voilà, il est comme ça. Comme ça. Il est trop beau. J'adore. C'est pas un peu trop décolleté ça. Ah, vous allez entendre mon papa. Alors mon papa, quand c'est trop court ou trop décolleté, il aime pas. Non, non, et là, dans le dos. C'est pas bon du tout ça. Ça donne comme ça dans le dos. Voilà. Ensuite, alors avec cet ensemble, il y a plein de couleurs. Vous l'avez disponible en rose, en jaune, en vert, en orange. Ah ouais, en kaki, il est beau aussi. Il y a plein de couleurs disponibles dans cet ensemble. Mais moi, j'ai pris en orange. J'ai pas de vêtements orange. Donc, avec là, avec un phare au niveau des yeux orange fluo. Ça peut... Là, vous avez le haut, crop top. Bah, c'est large, oversize. Et vous avez la petite jupe qui va avec. Donc, du coup, voilà. Après, de toute façon, vous les verrez porter sur moi. Donc, ça sera mieux. Ensuite, alors ça, je crois que c'est une robe, ça, oui. Oui, voilà. Alors, c'est une robe. Là, voilà, c'est le devant. Comme ça. Voilà le derrière. Ça aussi, elle va t'aller celle-là aussi. En plus, c'est des couleurs comme ça, le bleu comme ça, ça ressemble bien avec mon bras. Donc, du coup, voilà. Hop. Ensuite. Ah oui, alors ça. C'est un lot de 3 pyjamas pour l'été. Voilà. Donc, il y a clair comme ça, vous avez donc le petit haut, le petit crop top comme ça. Vous avez donc le short qui maman dit que ça sera un peu trop grand. On va voir, on va essayer. Hein. Ensuite, il y a en gris. J'ai l'impression qu'il est même plus doux que le blanc, la matière. Ah, peut-être. Voilà. Le short également. Et après, il y a en marron. Vous avez le haut et le short. Voilà. Donc ça, ça va être essayé. Je vous dis, hein, il y en a. Hein, j'en ai eu pour 153€ de commande. Hein. Ensuite, alors ça, par contre, on avait craqué avec maman. Parce que quand on a vu, c'est le premier article que j'avais mis dans ma liste d'envie. Et c'est une combi short. Kaki. Comme ceci. Et vous avez là, ici, comme ça tombe comme ça. Avec la petite ceinture que vous pouvez resserrer.
et on l'a trouvé trop joli. Donc la plupart des tailles, c'est du L et du XL que j'ai pris la plupart, mais la plupart c'est L surtout. Donc voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça m'a dit. Oui, moi aussi. J'ai attendu 17 heures pour tourner la vidéo parce que mon papa il voulait être là pour voir les vêtements portés sur moi. Alors, il y a cette robe que mes parents n'aiment pas trop la couleur. Ils disent que c'est un peu de tristoun. C'est une longue robe. Alors attendez. Il y a Monsieur Chachin qui est là aussi. Une longue robe comme ça. Et donc il y a les. Là c'est un col bardo comme on appelle. Et là ici c'est court à l'intérieur, vous voyez, comme ça. C'est tout long. Mais je crois que c'est une combi short, je crois. C'est un peu. Ouais, c'est une combi short, tu vois. C'est pas une robe. Ah d'accord. C'est une combi short à l'intérieur et t'as ça après devant le volant. Le short il a pas l'air bien, il a l'air un peu dévasé. Je suis sûr que tu t'as sorti quatre tes jambes. Voilà. Mais je l'ai pris, c'est surtout pour le col. Parce que j'ai pas de haut comme ça avec ce col et j'aime bien. Ensuite, ça c'est une jupe. Ça, petite jupe à voile. Ça va t'aller, ça tu vas être belle. Mais dedans. Ça c'est toi qui l'as vu sur le site. ça va voler où, ça hein. Tu aurais intérêt à mettre un short dessus. Vous entendez mon papa hein. Non, mais c'est vrai, ça va voler où, ça. C'est tellement fin. Ça va remonter la jupette. Non, ça va remonter cette jupette et on va voir ton strip dessus. Ensuite, ça c'est quoi déjà? Je crois que c'est un haut aussi. Oui, c'est un haut qui est un peu trop décolleté, donc là il va falloir que je fasse un point de couture. Ah bah là oui. Oh, parce que là sinon on voit tout. Il va falloir que je fasse un point de couture, genre là ici. Ouais. Et comme ça après deux, ça deux, va. Deux. Deux, ça sera mais pas il mal. Est trop joli. Il est trop mimi. Ouais. Avec les fleurs et tout, genre je trouve ça trop chou. Ce haut c'est pareil, il est en plein de couleurs disponibles, mais en jaune, il est trop beau. Si j'avais un haut jaune, un débardeur que j'avais acheté à bon prix, mais il était trop grand pour moi après. Donc j'ai donné à ma maman. Donc je n'ai plus de haut de couleur jaune. Oui, c'est un débardeur jaune de bon prix que tu mets souvent l'été. T'en as un? Non. Si, avec les trucs comme ça, tu l'as mis il n'y a pas longtemps. J'en ai peut-être un, mais c'est pas celui que moi j'avais acheté et qui était jaune comme ça. Jaune pétard comme ça. Ah oui, oui, le débardeur. Mais voilà. Moi, je te parle de l'autre, là, clair avec de la dentelle. Ah, mais c'est clair, tu vois, c'est pas genre jaune pétant comme ça. Moi, je te parle jaune pétant. D'accord, jaune poussin. Voilà. Et donc, celui-là, j'en avais pas comme ça. À part le débardeur jaune que j'avais acheté à bon prix. Et maintenant, pour toi. Je sais ce que j'ai quand même avec toi. Ensuite, c'est un autre pyjama. J'en ai acheté des pyjamas. C'est un pyjama comme ça en pilou-pilou. Moi j'adore le pilou-pilou. Donc un petit crop top comme ça. Avec le short. Et t'as pas intérêt de mettre ça quand il va faire 30 degrés. Non, ça je le mettrai quand il fait un peu frisqué et tout, tu vois. Genre quand on va repasser à l'automne avant qu'il fasse vraiment trop froid. Hop, je mettrai ce. C'est tout doux. Regarde, touche papa. En pilou-pilou. Oh oui. C'est tout doux. Bon, je vous rassure, hein, je vais les laver là, je vais les essayer, mais après je les mettrai à laver hein, avant de les porter. Parce que je vous dis pas l'odeur. Ensuite, le dernier pyjama que j'ai acheté. Et donc c'est un pyjama où j'ai deux bas, un short et un pantalon qui vont avec ce haut. J'aime bien le haut, il est trop mimi. T'as vu? Donc il y a le haut et là il y a le short qui va avec et le pantalon. Voilà, comme ça je peux le mettre autant en automne qu'au printemps qu'en été. Voilà, et enfin après le dernier article, et celle-là on l'adore tous, la couleur et tout, c'est une robe. Alors il y a la ceinture à part, voilà, et c'est une longue robe. Je vais mettre debout pour vous faire voir. Voilà,
Ça doit être, je pense, là, le devant. Ouais, non. Le devant, c'est là. Voilà. C'est une longue... Mais te mets pas trop loin, parce que là, on voit rien du tout. Hein. Voilà. Et là, il y a les petites anses, là, de chaque côté, là. Pour mettre la ceinture. Et puis les couleurs, ça fait penser au Brésil. Donc, pour cet été, ça va être super. Vitaminé et tout. Donc, voilà. Là, je vous ai... présenter du coup tous les articles. Regarde, mets là la caméra pour l'en faire voir. Il y a pour 153 €. Et là, du coup, je vais aller les essayer et vous les verrez porter sur moi. Donc voilà le premier article. Bon, je cache parce que c'est un peu beaucoup trop décolleté et YouTube va pas aimer ça, donc je cache le milieu. Mais voilà donc en gros ce que ça donne, comme ça porté. Là, vous avez dans le dos, comme c'est croisé. Donc, ma maman m'a resserré les bretelles parce que sinon, c'était vachement trop grand et tout. C'était pas bien mis. Et donc, du coup, voilà. Bon, j'aime bien, à part ce détail-là qui est un peu trop décolleté. Donc, on va éviter de montrer ça en vidéo. Mais sinon, c'est joli. Hein, maman, qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Avec là, la petite dentelle, là, vous voyez ici. Là. Moi, je sais ce que j'en pense quand ça sera cousu. Vous voyez, là, les petites dentelles ici, là, c'est un peu transparent. Donc, voilà. Moi, j'aime bien. Donc, je vais essayer, du coup, le deuxième. Donc, voici là, le crop top jaune. Donc, ça, c'est super cool. Et ça sera pas bon, l'été, là, où il fait chaud et tout. Mais par exemple, printemps, quand il commence à faire beau, mais pas tout à fait. En tout cas, il te va super bien. Ouais, moi, j'adore. Et toi, papa, t'as bien ou pas? Je pense qu'il faut pas que tu lèves les bras. Ouais. Non, oui, parce que si tu lèves après, là, tu vois, un bras encore, ça va. Moi, juste au côté, mais ça va. Mais les deux, là, on verra tout. Donc, non, mais sinon, moi, j'aime bien. Ouais, si, c'est pas mal. La couleur, elle est super et tout, avec un haut, genre, enfin, un bas qui est un peu haut, là, comme ma jupe. Et encore, avec une autre jupe, ça sera mieux et tout. Mais sinon, moi, j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Donc, je vous retrouve pour, du coup, maintenant, les ensembles. Donc, voici le premier ensemble. Bon, faut pas faire attention à les coutures, mais ça, je maîtrise cette tenue avec, pas avec une culotte, hein. On s'entend bien parler, mais du coup, voilà. C'est le petit ensemble orange, je trouve qu'il est super beau. Mais, du coup, voilà. Il te va bien en plus au teint. Mais des couleurs comme ça, vives, c'est ce qu'il me faut. Il ne faut pas des couleurs genre rose poudré ou quoi, parce que ça va pas m'aller, ça va être trop clair. Mais des couleurs vives, comme ça, c'est ce qui me va au teint. Oui, mais c'est qui, grâce à maman, que tu mets des couleurs? Parce qu'avant, oui, c'était que du noir. C'était que du noir ou du blanc. Et maman, elle m'a dit, je veux pas, je suis pas contre que tu t'achètes des vêtements, mais achète-toi de la couleur. Et donc j'ai commencé petit à petit et là bah, j'ai pris vraiment beaucoup de couleurs comme vous avez pu le voir. Vas-y, tourne, qu'on voit quand même. Là. Non mais tourne. Non, franchement ça te va bien. Bon après oui, là il y a le petit bidou qui dépasse, mais bon ça c'est... À cause de McDo, on va dire, faut que je reprenne mon sport parce que là, il y a dû laisser aller. Donc je vous retrouve pour un autre ensemble. Donc voilà, le premier pyjama, pilou pilou. Moi, je trouve qu'il me va super bien. Voilà. Ouais. Le short, c'est nickel. Il n'est pas genre trop grand ou quoi. Il est parfait. Il est taille haute. Ça, c'est ce qui était prévu avec le pyjama, de toute façon. Avec le petit crop top. Et du coup, moi, j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Au moins, tu es à l'aise pour dormir. Ah bah là, oui. Et puis en plus, il est tout pilou pilou. Il est tout doux. Alors, j'aime bien. Tout ce qui est pilou pilou, j'adore. Genre, maman, il faut qu'elle me fasse une écharpe. Il lui reste deux pelotes en pilou pilou. Il faut qu'elle me fasse une écharpe. Mais genre, elle sera très très grande, mais comme ça, je pourrais faire des tours. Mais du coup, voilà, c'est un tout pilou pilou, j'aime bien. Genre, ça sera surtout, mais genre, quand tu vas commencer à aller vers l'automne, qui va faire un peu frais. Parce que c'est vrai que s'il fait 30 degrés, quoi que, tu vois, là, je le porte, tu vois, il fait un peu chaud, mais pas tant que ça, tu vois. Mais ça va, il est pas trop désagréable à porter, on le sent pas tant que ça, tu vois. Mais même s'il fait 30 degrés, je le mettrai pas quand même. Bon, je vais essayer, du coup, les autres. Donc voici le, pas le dernier, mais l'avant-dernier pyjama. Donc là, vous voyez avec la version avec pantalon. Genre, vous avez là, ici, c'est un peu resserré. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes petite, vous pouvez le resserrer, il n'y a pas de souci. Le t-shirt, il est assez long. Là, c'est pas un crop top, il est genre taille normale. Monsieur Boubou, il sentait, du coup, le pyjama. Donc là, voilà, et franchement, super confortable à porter. Genre, je vais me tourner pour que vous voyez. Mais super confortable à porter. Donc là, je vais essayer avec le short. Comme ça, vous allez voir la version en short. Et donc là, on voit la version donc du coup avec short,
J'ai baissé un peu le short volontairement parce que sinon on voit trop. Je suis complexée au niveau de mes cuisses, donc du coup j'ai baissé un peu. Mais sinon voilà ce que ça donne donc avec le short. Voilà. Il est mimi aussi pour l'été, ça sera très simple. Puis après des fois je mettrai pas forcément le haut avec le bas assorti. C'est de préférence oui, mais des fois je mettrai autre chose. Donc là je vais essayer les autres pyjamas. Donc voilà, là je vous montre qu'un des trois pyjamas parce que ça sera le même. Alors comme je m'y attendais, le short, et ça sera ma maman parce que là c'est trop grand ici et moi j'aime pas quand c'est trop grand là. Donc ça sera ma maman qui va récupérer les trois shorts. Moi je vais garder les hauts, ceux les hauts ils sont très 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 bien, très confortables et tout. Mais pour dormir, t'as pas besoin que ça te serre. J'aime pas, ça fait trop grand, j'aime pas. Et tu sais très bien comment je suis maman au niveau vêtements, voilà, donc du coup ça sera ma maman. Comme ça ma maman elle sera contente, elle aura des shorts de pyjama pour dormir. Et moi je mettrai avec d'autres shorts et d'autres bas que j'ai. Parce que non, là même si j'aime pas. C'est trop grand et j'aime pas. Donc du coup voilà un des pyjamas. Après j'ai les autres, ça sera pareil. Donc du coup là je vais vous essayer les jupes. Et moi je reviens après. Donc là j'ai essayé donc la jupe là qui est longue derrière. Bon oui, comme ma maman elle a dit, je mettrai des talons, donc ça fera mieux. Mais en attendant, là voilà, comme ça. Je la trouve trop trop belle. Elle est, voyez, courte, comme je vous ai dit, devant. Et donc derrière. Et j'aime bien, ça change un peu, tu vois, que toujours des jupes courtes ou des jupes longues. Oui, la première réaction, ça fait jupe. Elle a dit, ça fait traîne. Oui, ça fait comme ça. Oui, j'aime bien. Bon, le haut va pas avec, mais on s'en fout. C'est surtout pour vous faire voir la jupe. Je pense que cette jupe, je vais pas arrêter de la porter. Parce que déjà, j'avais acheté une robe de chez Shein. Que dès qu'elle est repassée, je la reporte. Parce que je la kiffe. Et je pense que cette jupe va faire partie d'un de mes articles favoris que j'ai acheté. J'adore trop. Oh bon oui, avec des talons, ça sera mieux. Parce que quand je fais ça, regarde, on voit pas mon pied. T'as vu? Quand je fais ça, on voit pas mon pied. Et j'aurai des talons, voilà. Donc je vais essayer du coup la deuxième jupe. A tout de suite. Donc me voilà avec la jupe que maman a dit qu'elle m'irait très bien. Donc je lui ai posé la question et elle a dit forcément que ça me va bien. Et moi j'aime bien parce que quand je tombe, et voilà. J'ai toujours, depuis que je suis petite... Ah oui. J'ai toujours aimé les robes à volant et tout, quand je tourne que ça tourne, j'ai toujours aimé ça. Oh, ça je confirme. Et j'aime bien aussi les vêtements à paillettes, roses, violets, bien sûr. De toute façon, tu as toujours aimé les vêtements. Quand je t'achetais, même quand j'ai dû acheter un pyjama, tout de suite elle déballait, elle essayait de suite. Et je faisais souvent défiler, il y a le couloir, et je faisais défiler, et après je posais comme ça. Je faisais voir à chaque fois, je tournais comme ça, j'étais contente, je faisais voir. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé ça. Donc du coup, voilà. C'est vrai qu'elle est sympa, cette robe, t'as eu ? Enfin, cette jupe, pardon. Oui. Parce que j'ai pas de jupe de cette couleur. J'ai toujours des jupes noires et des jupes droites, souvent, la noire. Surtout que t'en as pas beaucoup de jupes courtes. Non. Les jupes hautes comme ça et tout, j'en ai pas. J'ai la noire, j'ai la rose que t'aimes pas. J'ai la noire. Après, j'ai un noir aussi à volant. Enfin, j'ai que des noirs. En plus, c'est fluide, c'est léger, ouais. Non, elle est super agréable, en plus, touche. La matière est super agréable au toucher, elle est légère. Ouais. Regarde toi, je peux pas. Mais tu vois, je croyais que c'était un peu crêpe, moi, là, le tissu. Non, tu vois, comme un bol quand tu bouges. Ouais. C'est parce que... Voilà. Elle voit, je suis contente. Donc du coup, je vous retrouve avec maintenant les combinaisons. Bon, alors me voilà avec la combi short. Je croyais que c'était un haut, mais en fait, non. C'est une combi short. Et franchement, donc, ça te va super bien. Je pensais que ça allait être hyper décolleté et tout, mais en fait, pas du tout. Donc, quand je me baisse, ça va. Il y a le soutien-gorge qui fait bien son travail. Mais du coup, non, j'aime bien. Non, ça te va super bien. J'en ai jamais eu de combi short. Ah non, mais franchement, ça te va super bien. Voilà. Vous avez là l'élastique qui est ici là, à la taille, qui maintient la taille. Ma maman, elle m'a remonté les bretelles parce que sinon, là, c'était envoyer mon soutien-gorge. Mais il y a juste ça là, qui m'énerve un peu, tu vois. Oh, mais ça là. Te va super bien, ma fille. Alors, qu'est-ce que t'en penses, papa, toi aussi? Ouais, c'est bien. T'es trop belle. Donc là, en plus, ce qui est bien, c'est que le short, il est pas trop serré. Donc, il remonte pas. Ce que j'aime pas, c'est pour ça que j'aime pas les shorts. Donc, il remonte pas. Donc, ouais. Ça va être super pour cet été. Donc, je vous retrouve avec la deuxième combi short. Donc, bon, voilà, avec la combi short. Celle-là, elle est trop belle. Surtout, en plus, elle est bien... ample et tout, il y a des poches en plus. Donc franchement, t'es magnifique dedans. T'es trop toi, belle. Maman, tu vas pas me dire que ça me va. Ah non, mais t'es trop belle. Ça te va super bien. Et du coup, voilà. Et en plus, c'est super confort. Ça fait un peu de ces styles survêtements et tout, tu vois. Et je te jure, tu sais ce que tu devrais t'acheter pour cet hiver?
une combi longue, j'en suis sûre saturée. Mais j'en ai vu sur un autre site que je vous ferai une vidéo quand je ferai la commande et que je la recevrai. J'en ai vu, oui, des combinaisons qui sont longues. J'aime pas trop quand c'est trop ample au niveau des jambes, les combinaisons longues. Et donc j'en ai vu qui sont resserrées en bas et tout et qui sont super belles. Rappelle-toi, je t'ai fait voir des couleurs. C'est en privé. Et donc du coup, voilà. Franchement, elle est super agréable. Ah ouais, non, mais franchement, ça te va super bien. Donc maintenant, je vais vous retrouver avec les robes. Pour sortir, c'est bien ça. Donc il me restait une dernière, un peu, on va dire, un peu combi short. Donc c'est ça que je peux amener, c'est pour une robe, mais en fait non. C'est une combi short avec du coup un voile de, devant là qui cache. Et avec les manches longues et le col bardeau comme on appelle là, ou col carmen, c'est un truc entre les deux. Mais j'avoue que vu que le tissu il est assez épais, je le porterai quand il fera frais. Mais franchement sur là, toi, ça te va super oui, bien. Oui, pas comme ça, mais sur moi ça va. Ouais. Franchement, bien. Même la couleur et le haut teint et tout, ça te va trop bien. Puis moi, j'aime bien, c'est surtout quand c'est comme ça. J'aime bien pouvoir sortir ma jambe comme ça. Mais non, je trouve que c'est super sympa. Et c'est original d'avoir des combi shorts avec ça. Mais ça te va trop bien. Puis le short, il est long, donc on voit pas mes cuisses. Donc c'est super. Voilà, j'aime bien. Je vous retrouve avec le reste des robes. Donc voici une autre robe. Voilà. Ça te va trop bien. Elle est trop belle, trop. En plus, elle est légère et elle n'est pas transparente. Parce que des fois, ça peut être léger et transparent. Mais là, c'est pas transparent. Franchement, ça te va trop, trop bien. La maman, elle kiffe tous les vêtements que j'ai achetés. Un moment. Ah ouais, non, mais ça te va bien. Après, là, bon, faut faire attention parce que les bretelles, là, on peut pas les resserrer. Donc, faut faire attention. Mais bon, après, quand vous y touchez pas, le reste de la journée, vous n'allez pas tricoter vos bretelles. Donc, voilà. Et après, bon, ça va, elle est pas trop courte non plus, même quand je tourne. Ça va, tu vois, on voit pas quand je tourne. Et puis, ben, ça vole quand même, donc je suis contente. J'aime bien que ça vole. Donc là, je vais essayer l'avant-dernière robe, parce que la dernière robe, c'est forcément celle qu'on a tous kiffé avec mes parents. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc voici l'avant-dernière robe. Donc elle est trop mini et tout. Bon, je vais pas me tourner parce qu'il y a. Voilà, on va voir que. Il y a. Voilà, on va cacher la misère, on va dire. De toute façon, après, je l'ai serré sur soutien-gorge après la vidéo pour voir ce que ça donne. Mais du coup, ouais. T'en penses quoi, maman? Ah non, mais ça te va bien. Papa? Même au teint et tout, ça te va super bien. Décroche, là, avec les volants, c'est pas genre comme si j'en avais déjà, quoi, avec les volants. Non, accroche. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous retrouve pour la dernière robe. Donc, voilà, la dernière robe. Donc, elle est super belle. Par contre, elle est longue, hein. Donc je pense que je mettrai des talons quand je sortirai parce que t'as vu comment qu'elle est longue. Là elle traîne par terre. Ouais elle traîne par terre donc du coup il faudrait que je mette des talons. Assez haut. Ouais et après bon après elle est fendue sur le côté. Faudrait que t'essayes avec tes talons que t'as acheté l'année dernière. Ouais et là en plus donc elle est fendue sur le côté. Comme tu sais la robe que j'aime bien justement de Shein, j'adore les robes fendues comme ça. Et elles sont longues donc j'aime bien. Du coup voilà ça donne ça. Là mon papa il m'a resserré derrière. Parce que sinon on voyait tout là sur le côté et tout. Comme ça là c'est bien mis. Et donc du coup voilà. J'aime bien. T'en penses quoi maman? Sur ton teint ça va super bien. Et là je te vois bien avec un maquillage, un fard à paupières vert. Vert et jaune pour appuyer ouais. Tout. Et toi papa t'aimes bien? Ouais. Tu trouves que ça me va bien? C'est pas fendu trop loin ça va. T'es en fait, magnifique. Dans les trucs, faut pas trop, que ça soit trop court. Faut pas que ça soit trop décolleté. Faut que ça soit bien. Donc du coup voilà. Ouais j'aime bien. Franchement, je crois que c'est la robe, enfin même l'article préféré que j'ai à un moment. Je croyais que c'était ta jupe. Non, j'adore celle-là, la robe là comme ça et j'adore les robes qui sont longues comme ça, fendues. Non, j'aime bien. Mais du coup voilà, donc c'était le dernier article. Alors juste avant, je vais vous faire voir le jouet de mon chien, le crocodile qu'il avait. Donc voilà la tête du crocodile. Il a plus de museau, il a plus de queue. Et voilà les morceaux de queue qui sont là. Ça c'est Monsieur Boubou là avec sa colorette là. Non oui. Kitty mignon toi là. Qu'est-ce que t'as fait à ton crocodile? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ma oui, tu l'as tout mangé? Ma oui. Ma oui, tu fais des bisous, Kitty mignon. Donc du coup voilà. Et ma maman aussi s'excuse pour le cadrage de la vidéo. On va dire que maman n'est pas genre comment dire. Une caméraman, voilà, elle n'est pas habituée. Mais c'est quand même gentil à ma petite maman d'avoir filmé cette vidéo. Donc je te remercie ma petite maman, moi qui t'aime. C'est normal ma fille. Et donc du coup voilà. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi l'article que vous avez préféré. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.